Bonjour et bienvenue ici à Vaugénie pour l'événement l'avalanche de carreaux qui a démarré donc hier et qui se poursuit aujourd'hui avec le tête-à-tête avec 12 champions, donc 4 poules de 3. Et donc j'aurai le plaisir d'être accompagné au commentaire ce matin de Steven Chaplan. Steven, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, Steven, donc toi tu vas jouer tout à l'heure. Voilà. Donc tu es dans la poule avec ton ami Valentin Belama et Raphaël Ripen. Et Raphaël Ripen. Voilà, donc nous on démarre là, cette journée avec une belle rencontre. Hein, Ah oui. Voilà, donc Philippe Suchot. Donc on rappelle rapidement son palmarès, hein, 13 fois champion du monde, 2 fois champion d'Europe, 11 fois champion de France. Plus plein de choses à côté, marseillaise, ouais, et autres. Il a à peu près tout gagné. Ouais. Sauf le tête-à-tête. Il a été une fois finaliste, mais comme il me l'a dit tout à l'heure, il n'aime pas le tête-à-tête. Ouais, il n'aime pas trop. Hein. Donc, il l'a joué 3 fois. Il a été une fois finaliste. Donc, c'est vrai que c'est une belle performance. Et donc, en face, Christophe Sevilla, lui qui a été 3 fois champion de France. Hein, Donc, tête-à-tête. Voilà, tête-à-tête, triplette en 2011 et doublette en 2010. Voilà, donc là on est dans un cadre magnifique, hein, à la montagne. Mais les terrains, ils sont très durs. On dirait d'apparence qu'ils sont jolis, mais il y a une moquette en dessous. C'est super dur. Effectivement, c'est un terrain rapporté. Très sélectif là. Ouais. Christophe. Vous pourrez me donner les scores comme il n'y a pas de. Et donc première main à l'avantage de Christophe Sevilla. C'est un chai. C'est où, ouais. C'est où ça bloque ou. Ouf. Oh là 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 là. Celui-là, ah bah, il est bien réveillé, notre ami Philippe, là, d'entrée. Et ben voilà, donc l'avalanche de carreaux est bien en route. Hein. Ouf. Et bien, il y a là également, bien sûr, il fallait s'y attendre. Cette fois, le bouchon est sorti et on va attaquer donc la troisième main. Alors, oui, effectivement, particularité, le timing, la partie, bien sûr, peut jouer en 13, mais sinon, elle est limitée à 40 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça y joue, ça aussi. Hein. Oh, je pense qu'en général, le tête-à-tête, ouais, 40 tête minutes, tête, c'est sûr. Ça laisse quand même. Ouais, t'avais raison, Steven, hein, on a vu là le. Il y a trop épais ou il y a la moquette avec des dalles en dessous là. C'est pas facile du tout, on sait même pas comment les jeter là-dessus. Ouais, peut-être en demi-portée, peut-être. Et faire rouler un petit peu, éventuellement. Donc ça. Si c'est que c'est le dessous, c'est des dalles. C'est compliqué. C'est peut-être plus facile à limite de tirer que de pointer. Encore sur ces terrains, mais les terrains plus au centre là-bas. Oui, mais c'est vrai qu'il y a d'autres sites, effectivement. C'est manqué et ils ont mis quelque chose en dessous là. Oui, il y a ce qu'on appelle du bidim. Il y en a un peu plus encore de gravettes. Prise de Philippe Suchot. Et. Oh oui! Joli palais là de Christophe Sevilla, effectivement. Il a trop en partant, pas tiré. Eh ouais, là il est condamné à pointer, c'est limité. Ah oui, et eh ben il en prendra qu'un, mais il aurait presque pu le reprendre. Hein.
fait deux, ça. Ça fait deux. Et donc, on est sur la quatrième main. T'as vu, c'est dingue. Ouais. Elles partent comme des balles de ping-pong. C'est bien repris. Alors, il y a l'ombre qui nous fait des jeux. Bien. Pleine bourre là. Christophe Sevilla également. Non, parce qu'il n'y a pas à côté. Ouais. Ouh, elle restait bloquée sa boule. Peut-être miner quand même. Hein. Ah, je pense que oui. Elle s'est figée dans un. Sevilla qui a annoncé qu'il allait essayer de jouer avec le bouchon. Ah, il n'est pas passé loin. Hein. Il n'est pas passé loin. Il avait bien la. Il avait bien la force pour le. Il n'est pas passé loin. C'est au rebond. Et ben deux. Voilà, Philippe Suchot qui a remis les compteurs pas à zéro, mais. Voilà, deux partout, cinquième main, et donc ouais, on est limité au temps, hein, à 40 minutes, plus une main sans pouvoir annuler le bouchon. Un très bon point là. Il doit rester encore une bonne trentaine de minutes. C'est alors, voilà, on joue depuis 8 minutes. Sur la tête. Voilà, c'est repris. Ah oui, attaque, tout de suite. Normal, hein. Il l'a gagné, oui, effectivement. Ça peut être cher, tir à 3-4. Juste au-dessus, et ben point pour Christophe Sevilla. Trois deux. Ouais, là, Philippe Suchot, malheureusement pour lui, hein, il avait une bonne belle opportunité. Thank you.
très bon point d'entrée là. Tire à l'attaque. Ouf, il est au pied de la boue. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit des fois à 10 devant, il n'y a pas une courage. Effectivement, c'est la petite moquette dessous, Falbidim, là, qui a fait rebondir. Ah, cette fois, pas de souci. Contre-attaque. Ah. Il est au pied aussi là, hein, c'est ça. Et là, effectivement, il est un petit peu épais de ce côté, donc. Tas de sable, oui. Bien repris là. On a vraiment une très belle partie là, pourtant 9h du matin. C'est poussé en douceur. Il est en dessous. Ouais. En dessous de la boule. Et bien, trop partout. Ils font la route ensemble, nos amis. Sur la tête. Est-ce qu'il a fait passer? Je pense, enfin, je sais pas, mais à mon avis, ouais, c'est ça. Ouais, confirmé. Pas le fermer. Demande-moi pas à moi. Eh bien, c'est bien repris. Christophe Sévilla qui nous a dit il faut pas le faire beau. Mais... Ouh, non. C'était juste un petit peu de côté. Eh bien, l'opportunité. Déjà pour... droit de temps en temps, c'est dans ces voilà. Terrains. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que faut vraiment être plein fer dessus et bien 5-3 donc pour Christophe Sévilla. On va dire que c'est un point correct. Hein. C'est là, je... Ah, est-ce qu'elle a pris? Non, apparemment, si. J'arrive pas à voir d'ici. Oui, d'ici, on... elle a tourné un petit peu la boule au dernier moment. Il arrive. Ah, c'est bon.
Alors. Alors nous avons un arbitre international présent là aujourd'hui, en la personne de Jérémy Tenière, Zoreille Paye. Donc Philippe Tuchot a bien repris alors. Aïe! On a pu penser qu'il allait faire le devant de boule, mais elle a glissé. Mais malheureusement il a fallu deux boules à Philippe là maintenant. Et à mon avis il va essayer de bien en profiter. Je pense. Voilà. Par contre, ouais, je crois qu'il a mis un peu trop de poudre là. Par terre, une boule en main. Un gros. Et bien un point de plus là pour Philippe Tuchot qui comble un petit peu son écart. 4. Et on joue depuis 17 minutes. Superbe point d'entrée. Il y a un moment, effectivement, le terrain répond mieux. Ouais, ça dépend des endroits. Ah, superbe frappe là, de Christophe Sevilla. Là, tout de suite, là. L'autre côté, là, ouais. C'est aujourd'hui. Il doit être exempt la première, après. Il est passé entre le bouchon et la boule, Philippe Tuchot. Elle s'est pas bloquée. À la sortie dans la main, il ne s'entend pas très 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 bien. Il faut regagner déjà. Ouais, peut-être qu'il essaie de jouer un peu droit au bouchon. Ah, les deux mêmes. Les deux mêmes au même endroit. Christophe Sevilla, deux boules, mais bon, faut faire attention quand même. Surtout pas prendre le bouchon, l'emmener derrière. Jouer sur la droite, ouais. Ah ouais. Alors, est-ce qu'elle est rentrée? Il y a des grandes chances. Hein. Eh bien, deux points de plus pour l'instant. Encore une boule à venir. Il peut faire un bel écart là maintenant. Hein, s'il rentre le troisième déjà. Sur la droite, petit coup. Ouh! Ah ouais, 3. Eh bien, 8. 8-4. Pour Christophe Sevilla là qui fait un bel écart. Voilà, 8e main, 8-4 pour Christophe Sevilla.
petit peu court à l'envoi peut-être. Un petit peu, oui. Puis elle est partie tout de suite sur la droite. Ah, il a laissé un peu plus vivre là, Philippe Huchaud. Il a laissé un peu plus courir celle-là que sa première, mais malheureusement. Et ben voilà. Ouais, on entend le bruit là. Ouais. Dessous, ouais, il y a des pavés autobloquants là. Et il y en a qui doivent être un petit peu décédés dessous le bidim. Et ben c'est tiré, bien poussé là pour Philippe Huchaud. Ouais, tombé sur la même plaque et ça fait qu'un point à la sortie. Il n'a pas profité là pour ajouter. Eh bien, 5. Ça fait déjà 2 ou 3 mètres qui pourrait lui d'en faire un, oui. 2 ou 3. C'est vrai. Qui laisse un petit peu des points en route, Philippe Huchaud. Et on arrive à mi-partie, là, 22 minutes. Donc, ce sont des parties limitées au temps, hein. 40 minutes. Voilà. Bon point, très beau point d'entrée. Hein. Donc là, on n'est pas très loin. Hein. 7 mètres à peu près, non? Un peu moins, je pense. 6 mètres, 6 mètres 50 max. Alors. Oh. Oula, chiquette casquette. Aïe, que faire dans ces cas-là? Parce que malheureusement, il va se retrouver une boule à deux. Je la mettrai 2 mètres devant. Je crois qu'on peut annoncer 3 points pour Philippe Huchaud. Ouais. Ou alors venir essayer d'embouchonner, mais bon, faut vraiment embouchonner, quoi. Eh bien, 8 partout, hein, d'un seul coup, là, ouais, effectivement, là, après cette mauvaise mène pour Christophe, ouais, qui a chiqué deux fois la boule. Oula. Je sais pas si vous voulez faire une Radnik à la première, non, Philippe Huchaud. Peut-être, il a pas envoyé loin. Ouf. Ah ouais, là. Par terre, un point gagnable. S'il le rend pas, il est plus dangereux. Eh ben voilà. Superbe. Ouf. 3 à la suite là. Alors. Eh bien, ouais.
très belle main là, 4 frappes, 4 carreaux pratiquement de suite. Et bien Christophe Sévieux qui reprend le maillot jaune. Et on est sur la 11e main. Il a fait passer, mais pas... Pourquoi il a pas tiré? Ah, il en avait deux, Philippe. Ouais, mais bon, quand même, on connaît quand même sa... Oui, c'est sûr. Sa force de frappe, quand même, et... C'est 9h du matin, peut-être. Il est réticent. Mais la semaine d'avant, il a tiré, pourtant, pareil, il en avait deux chez Philippe. Et... ouais. Il y a 9 partout. Ah ouais, ça fait la troisième ou quatrième casquette là qui est... passé. Il reste de la place. Hein. Voir si cette fois il profite, parce que ouais, c'est vrai qu'il a pas très bien profité. Et bah oui, cette fois là main pleine pour lui, hein. Et bah deux points, et pour la première fois Philippe Suchot prend la tête de cette partie. On arrive à la 13e main. On joue vérité, depuis ouais, d'après Marc Alexandre. Et là on joue depuis 30 minutes, je vous rappelle, main partie du moins en 40 minutes plus une main sans pouvoir tirer le bouchon. On va aller tomber, il est dans le bouchon. Ouais, c'est vrai que là il a eu un petit peu de chance quand même. Ah oui, superbe frappe, parce que là on n'est pas... Il n'est pas 6 mètres, hein. Elle est restée courte, apparemment. Elle est partie sur le côté.
Ben voilà, il a cassé un point. Philippe Suchot. Ce ne sera pas une mène de vérité en double. A priori, non, puisque c'est Vyakhanov, donc ça peut faire 11 partout. Ouh, il me semblait qu'il était court à l'envoi, non ? Ouais, mais elle n'a pas bien, elle a pas bien répondu, ouais. Je sais même pas si elle a coupé sur celui derrière là-bas. On va voir, ouais. C'est là, s'il a coupé, je pense qu'il va tirer. Oui. Allez, il est parti pour tirer. Ouais, il doit avoir le point en second. Malheureusement pour lui, 9 à 12. Il était un petit poil court pour la sortir, la boule là. Dans cette boule, il y a le boursico aussi. Oui, ouais, là, ouais, on pourrait dire, presque dire que c'est la poule de la mort là, hein, oui. Sur les trois là. Et on voit hein, des difficultés au point par moment. Un terrain, c'est pour ça, on ne sait jamais comment elle va tomber à la boule. Ouais. Cette fois c'est mieux, mais il reste quand même de la place. Mmh. Oh, aïe. En plus, il lui reprend c'est juste en devant de boule. On ne sait pas si c'est volontaire, mais en tous les cas. Ah, apparemment, bah voilà, donc victoire de Philippe Suchot, 13 à 9. Christophe, ouais, c'est vrai que Christophe Sevilla a deux-trois casquettes, a eu effectivement des mènes malheureuses pour lui. Mais bon, c'est par poule, hein, donc. C'est vrai qu'au point. À se planter dans le sol, là c'est bizarre. J'ai deux boules, je dois. Au point, c'est bizarre. Donc, bon, Steven, ouais. Merci. Bah, merci à vous. Je vais aller jouer maintenant. Ouais, donc, soit ton ami Valentin, soit Ripen. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je vois pas d'ici. Oui, parce qu'effectivement, il y a différents jeux, donc. Bien, bah, bon vent à toi. Merci bien. Merci. T'étais tout à l'heure. Ouais. Entendu. Comme ça. Allez. Ça marche. Bonne journée. Bien, bah, écoutez, amis boulistes d'autres, voilà donc la mise en route là, de cette journée. On vous donne rendez-vous à 10h pour la deuxième partie de poule. Merci.